moi, je dois laver, il y a trop de sorciers. Il y a trop de sorciers. Tu arraches même, il y a trop de sorciers. Il y a des sorciers. Il y a des sorciers. N'importe quoi. Tu es l'esprit. Tu es voulu. Je vais te dire. Aujourd'hui, je suis venu comme un prophète. Pour augmenter la dose au niveau de ton esprit. Que tu commences à maîtriser les autres esprits. Vous savez, bien aimé, l'argent est l'esprit. Mais maintenant, toi et moi, nous avons la capacité de maîtriser maintenant les esprits qui se sont donnés l'argent. Est-ce que vous savez que l'argent est l'esprit? Ça ne va pas pour. Cela veut dire que l'argent est l'esprit. Pour que l'argent te coûte, tu dois avoir un niveau supérieur par rapport à l'argent. Que le minimum que quelqu'un peut posséder, minimum,
je commence par nos enfants. Le minimum qu'ils peuvent avoir, c'est lui. Au nom de Jésus. Père, il y a des bénédictions qui correspondent aux âges. Ce n'est pas normal, Seigneur. Quelqu'un qui a 20 ans a toujours des pentes. Au nom de Jésus. C'est l'éternel dans la bénédiction qui correspond à l'âge. Dis à quelqu'un que l'éternel te donne la bénédiction qui correspond à l'âge. Au nom de Jésus. Ça, c'est la première bénédiction. La deuxième. Au nom de Jésus-Christ, que l'éternel les enlève. Qui accélère dans tes 20 ans. Que l'éternel te donne 50 000 livres. Que l'éternel les enlève. Fais en sorte que chaque enfant amène dans ta vie minimum 20 000 livres. Multiplie cela par rapport au nombre de tes enfants. Qu'il accélère la finance dans ta vie. Quel enfant n'a pas ce qu'il y a dans chaque enfant. Il y a des cantines avec lui. Il y a dans la basse dans la vie. Est-ce avance 16 qui connaît les pines français. Mandele bosse cantine. Babi, mandele bosaka pour envoyer des rebelles. Quel délire. Ancien et Sayo vient. Ancien et Sayo vient. Tu dois prendre cette bénédiction. Ndele bosaka. Moi, j'ai dit, vraiment calomnier. Les bosaka. Yenda la basanta. Quelque chose arrive. Something's coming. Quelque chose arrive. Something's coming. Quelque chose arrive. Something's coming. Et voilà. J'ai un rêve. Have a dream. Je vais prophétiser cela devant les gens. I'm going to prophesize that for some people, for you. Tu sais, you know, pendant que je dormais, when I was sleeping, le Seigneur m'a donné un rêve. The Lord gave me a dream. Tu es en train de prier. And you, tu es en train de prier. You're praying. Je te donne la réponse à ta prière. And I give you the answer of your prayers. Marie cette femme. Marry that woman. Va la manger. Marry her. Mange en plein milieu de nous. Your life is going to go from there. Dans ma tête, c'est une colline, mais l'autre semble bien. Quand je me passe une autre, ça va me confirmer. Ça va confirmer. Là, il y a eu ça. Et la gloire de Dieu s'est manifestée.
And the glory of God shows itself. Et j'ai vu and I saw des gens laisser les chaises. People leaving up the chairs. Et marcher. And walk. Par la puissance de l'adoration qui dégageait, qui sortait de ta vie. By the power of praise that comes from you. Reste fidèle, mon fils. Tu verras ces choses que je suis en train de déclarer. And you saw those things that j'ai vu cela. I saw those things. Que les gens abandonnaient les chaises. The people leaving up the chairs. Et marchaient. And they were pendant walking. Que tu étais en train de chanter. When you were singing. Tu étais en train de chanter. You were singing. Et la foule. And all que je voyais that was sick. Au début in the start, il y avait des enfants comme Bless and Praise. As Bless and Praise. Mais au fur et à mesure que j'ai levé mes yeux as time, il y avait maintenant des grandes personnes. Now they were older people. Il y avait des grandes personnes. They were older people. Écoute-moi John. Listen to me. Dieu va le faire. God is going to do it. Il ne ment pas. He does not lie. Reste fidèle. Remain faithful. Ah. Mais Dieu m'a dit quelque chose. Tu sais quand tu étais aux États-Unis, il y avait une nuit. There was a night. Dieu voulait te parler de ces choses que moi je te dis maintenant. That God wanted to speak to you about something. Mais tu étais trop fatigué. But you were very tired. Ces jours-là, c'était les jours où tu es sorti. That the day that you went out. Parce que tu étais vraiment fatigué. But coming back, you were very tired. Mais la nuit, l'Éternel, Dieu voulait te parler de ces choses. And the night, God wanted to speak to you. Dieu voulait que je te le dise. And He allowed for me to speak to you. Pendant que tu étais parti. Where you went. Ces gens-là. Those people. Parlent déjà de toi. They will speak about you. D'autres personnes. And older people. Parce que les gens que je suis en train de voir, because people that I'm seeing, comme des partenaires, as the partners, ce sont des Américains blancs. The white American. C'est pourquoi tu vois dans ta vie. That's what you see in your life. Le Seigneur t'a dit d'increase ton anglais. The Lord is increasing your English. Et tu te sens beaucoup plus à l'aise. And you feel yourself very comfortable. En anglais. In English. C'est à cause. It's because que l'Éternel Dieu amène dans ta vie. The word God is bringing in your life. Ah, j'ai envie de. Aujourd'hui, bien aimé, je dois prophétiser pour chacun. I have to prophesy for each person. Élevez seulement vos cartes, ok. Just raise your card and rose from the table. Éternel. Éternel. Les dieux qui nous a appelés. Les dieux de toute suffisance. Terminons. Quel miracle financier se passe dans leur vie. Au nom de Jésus. Que l'Éternel Dieu devant qui je me tiens accélère la puissance financière de votre vie. Écoutez-moi, regardez-moi. Tu sais combien tu as dans ta carte? You know how much you have in it? Tu sais combien tu as dans ta carte? Tu sais combien tu as dans tes trois cartes? Tu sais combien tu as dans ta carte? Dans un mois et demi, tu vas prendre dans l'espace de trois mois. L'Éternel va multiplier ce que vous avez pour 1.5. Jusqu'au 31 décembre. Lorsque ces choses s'accompliront, amenez l'offrande à l'Éternel. Dieu vous teste. C'est un test pour vous. Je vous dis, c'est un test. Si vous n'obéissez pas, il y aura un shift qui va se passer. It's gonna be a shift. C'est Dieu va changer les choses. It's going to change things. Que le bon Dieu vous bénisse. May the Lord bless you. Ah, prends ta carte, dis. Prends ta carte. Prophétise sur ça. Moi, ça veut ça. Avec cette carte, j'achèterai les billets. J'achèterai les voitures cash. Avec cette carte produira les mortgages. Au nom de Jésus. Oh, mais ça vient là-bas. Aujourd'hui, nous sommes là pour parler. Amen. Vas-y. Que les dieux vont accélérer les choses. Demain, sauve. Laisse-moi faire ça. C'est que j'ai dit. Amen. Par la foi. Bien aimé, ne vous fatiguez pas. Aujourd'hui, c'est celle qui est avec Jésus. Amen. Je crois que c'est terrible. Hein, parce que hier, j'ai eu des problèmes. J'ai regardé, peut-être c'était bloqué. On a arrangé. C'est après que j'ai prêché, dès que tu disais, mais comment c'est que j'ai après, je dis non, tu dois arrêter quand même. C'est tout le monde de marcher quoi. Et Dieu seul. Par la foi, tu es capable de changer les choses. You can change things. Vous savez ce qui s'est passé dans la vie de Christ? What is going to happen in the life of Christ? Ces témoignages, on n'avait pas bien donné ça. This testimony
you didn't give him one. Chris. Vous vous rappelez un jour? You remember one day? J'avais prié, j'avais demandé aux gens d'amener de l'huile d'onction. I prayed and asked people to bring for the oil. Et nous avons prié, plusieurs prières pour chaque huile. Pray for every oil. Et que chacun de nous amène à la maison. And each person to take back. Chris. Sont partis à Bruxelles. Et en rentrant, il y avait trop mal au niveau de son sexe. Et sa maman, son papa a regardé. Il a appelé la maman. Mais ce que la maman a fait, c'était quoi? La maman a pris l'onction de lui. Pourquoi elle a pris l'onction de lui? C'est parce qu'elle avait la foi qu'en prenant cette onction de lui, en appliquant sur mon fils, mon fils sera guéri. La foi ne demande pas trop de choses, mais la foi demande des actes. Quand tu poses des actes, c'est alors que tu pourras saisir cela. Il a appliqué sur Christ. Christ a été restauré. Mais ce n'est pas fini. Papa sorti, maman sorti. Il y a un voleur qui est entré. Avant cela, je disais à l'église, chaque famille amène l'offrande. They had to bring their nous devons prier pour la amène l'offrande. Vous savez ce qui va se passer? You know what's going to happen? Je parlerai beaucoup plus des choses pour lesquelles nous sommes allergiques. Entre autres, l'argent. Je parlerai de ça. I will speak about it. Ça fait au fur et à mesure qu'on parle, as long as we speak ça devient une vérité dans ta vie. Jusqu'à ce que l'argent devienne une vérité dans ta vie. Et tu n'auras plus peur de quoi que ce soit. Sa maman a amené son offrande. Give the offering. Et il devait partir pour Bruxelles. And he had to go to Bruxelles. Nous avons prié pour cet enfant, for this child, pour la famille, for the ils sont partis. And they left. Et maman partie, maman, papa partie. Le voleur est entré dans la maison. Ce qu'il a fait, c'était quoi? Il a ouvert la fenêtre. He opened up the window. Chris a sauté and Chris jumped de la fenêtre. Through the window. La chambre. Qu'est-ce qui s'est passé? And what happened? L'ange qui est derrière le front. L'ange qui est derrière le front. Je vous dis la vérité. Je n'avais pas saisi cela. Mais j'ai eu un rêve. Pendant que j'ai prié. L'ange qui était derrière le front. A fait en sorte. Que pendant que Christ est sauvé. Normalement. Il devait avoir son passé fantasy. Mais l'ange et le front. A pris Christ. Il a déposé quand même sur la main. Et Christ est allé à lui porte sur le nez. Pour lui, il a un voleur. Et l'homme s'est venu pour le voleur. C'était l'homme ou la femme? L'homme est venu là pour sur le voleur. Et le voleur s'est venu. C'était la femme. Et le voleur aussi partait. On a appelé la maman. On est allé chercher la maman à l'hôpital. Et pas de travail. On dit non. La manière dont on a vu l'enfant, sûrement l'enfant a son passé qui est passé par la suite. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que par la foi, ça va trouver quelque chose. Il a mis sur l'enfant pour sa famille. Écoutez-moi, comme les surprises. Écoutez-moi. Lorsqu'on parle, ne pense pas que l'argent pour lequel tu es trop attaché, ça bloque beaucoup de bénédictions dans ta vie. Pour rien. Écoutez-moi, si aujourd'hui today, sa maman n'avait pas donné le fruit, peut-être quelque chose allait arriver à l'enfant. L'enfant pouvait devenir invalide. Cet enfant joue au football. Imaginez bien le futur de cet enfant. La Bible dit, heureux celui qui écoute et sauve les tombés. Écoute-moi, dans cette situation, tu es capable de transformer les réalités. Dans la vie, je marche. Je me dis à moi-même, il n'y a jamais eu de possibilité pour moi. There's never been possibility for me. Moi dans ma vie, me in my life, il n'y a pas de possibilité. Si un homme a pu faire cela, moi aussi je peux le faire. I can mais le problème, c'est une question de temps. C'est une question de temps. C'est pourquoi je ne suis pas pressé. That's why I'm not in a rush. Mais je cesse ma foi. J'applique ma foi. Comment tu appliques ta foi? How do you do that? La foi bien-aimée doit être testée. Faith, beloved, has to be. Il ne suffit pas seulement de dire que j'ai la foi. Ça ne suffit pas. Ta foi doit être testée. Faith must be tested. Ta foi est testée. Lorsque tu donnes à Dieu des choses qui te font mal au cœur, tu fais sortir l'argent.
Tu sens dans ton cœur. Feel in your heart. Vous rappelez quand le prophète d'Exocé était là. You remember when the prophet Exocé was here? Il a fait l'appel. He called him. J'ai pris l'engagement de donner 500 livres. I told him, can you to give 500 pounds? J'ai donné 500 livres. And I gave it. Je n'ai pas regardé ma femme. I did not look at my wife. Mais ça me faisait mal. But it really hurt me. J'ai mis Dieu à l'épreuve. I put God at risk. J'ai donné 500. And I gave that 500. C'est que Dieu a fait pour moi. What God did for me. Laisse-moi. Je ne peux pas l'aider parce qu'il y a d'autres équipes de français. L'équipe de français me textait. Ah, non. J'ai gardé pour moi. Amen. Frère, ma soeur. Crois en Dieu. Le vent que tu vois contre elle. Qu'est-ce qui se passe? Oh là là, est-ce que je peux parler? Amen. Oh là là. Si
était devenu le lieu où les gens abandonnent la foi. Mais Dieu pourquoi? Utilisera l'église de mon Dieu pour réjouir. Pour revitaliser la foi de ces belles-mêmes. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Oh là là. La foi. La foi. Prend une femme ou un homme mystérieux. Vous savez, des fois, quand on dit les choses mystérieuses, on ne va pas ramener l'autre. Il y a ça pour un mystère. Ah, pour un mystère. Soit que quand on va vous faire mystère, il y a ça pour un mystère. Hé! Je vous ai la foi. Je vous ai un mystère.